Cette année touche enfin à sa fin, et j'ai réalisé que j'avais pas vraiment tourné de fiction cette année. J'ai mon projet d'animé 3D Isuban que j'ai réalisé depuis plusieurs semaines, et qui prend d'ailleurs beaucoup plus de temps que je pensais, mais j'ai pas vraiment filmé de court-métrage par exemple cette année, donc j'ai décidé de remédier à ça, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai décidé de me mettre une deadline de 6 heures. Et comme c'est trop facile, si c'est moi qui détermine ce que je vais faire, le chat ici va déterminer ce que je vais réaliser. Alors, je vais d'abord choisir un format parmi tout ceci, et ce sera... la bande annonce. Passons maintenant au genre... Thriller. Il ne reste maintenant plus qu'à piger une des contraintes que j'avais écrites, qui sera... Ok... Et finalement, déterminons la durée... du... Ok. Bon. Ben... Let's go. Brainstorm. Mon 6 heures sera séparé entre ce soir et demain, donc là j'ai passé un peu de temps pour sortir des idées, et je vais maintenant partir à la recherche d'une bonne musique pour m'inspirer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à copier ces musiques sur mon téléphone pour les écouter toute la nuit pour de l'inspiration. Donc, à demain. Bon matin, on va aller préparer le lieu de tournage. Enfin, je vais aller préparer le lieu de tournage. Alors, d'habitude, chaque année, je participe à des kino-cabarets, c'est-à-dire des événements pendant lesquels on a un temps déterminé pour réaliser le plus de courts-métrages possible. Habituellement, ce sont des événements qui durent entre 48 et 72 heures, disons. Alors là, un défi de 6 heures, c'est quand même pas mal plus court. Mais je suis confiant de faire quelque chose de pas trop dégueu. Ça y est, j'ai de la neige dans les bottes. On dirait que je suis pas le seul à venir me promener ici. Prochaine étape, montage! Mon 6 heures est terminé, donc je vous laisse avec le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me laisser vos suggestions. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette putain d'année. If they go for the kill, it's not out of hand.